partir la vadrouille. Encore une fois, restez en zone neutre, mouillez la vadrouille, déposez la vadrouille et comme de la danse, hein, vous voulez avoir les deux mains près du corps et utilisez vos jambes pour déplacer la vadrouille en avant, en arrière ici. Ok, avec la vadrouille, ce qu'il ne faut pas faire parce que vous risquez de vous blesser, c'est de garder les jambes immobiles puis faire des grands mouvements avec vos bras et votre corps. Et votre tronc ici, tournez, tournez, ça augmente beaucoup les douleurs des bras, du cou et du dos. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser les jambes et garder le tronc droit et stable.